Pamela Anderson a pris une grande décision, elle va vendre une grande partie de sa garde-robe, y compris une légendaire tenue, pour débuter sa nouvelle vie. Pamela Anderson a récemment fait une annonce surprenante en décidant de se séparer d'une grande partie de sa garde-robe, y compris sa célèbre tenue rouge d'alerte à Malibu. Dans une interview accordée au magazine People, l'actrice et mannequin de 56 ans a expliqué son désir de faire de la place pour sa nouvelle vie. Cette décision qui n'a pas dû être facile à prendre pour la star inclut l'abandon de nombreuses pièces de haute couture, qu'elle préfère transmettre plutôt que de gaspiller. Pamela Anderson décide de se séparer de ses pièces de haute couture, et d'une tenue culte. L'ex d'Adil Rami a déclaré, « Je n'aime pas gaspiller. Mieux vaut vider mon esprit, vider mon placard. J'ai hâte de voir d'autres apprécier ces pièces. » Pamela Anderson prévoit de se séparer de la totalité de ses archives de mode, y compris son célèbre maillot de bain rouge qui a contribué à la popularité de son personnage de série. J. Parker dans la série télévisée Alerte à Malibu pendant 4 saisons. Elle a expliqué, « Mon style a sans aucun doute changé au fil des années, et cela me ravit de penser que d'autres trouveront la joie que j'ai trouvée. Il n'y a aucune raison de s'y accrocher. Ces souvenirs sont faits pour être partagés. » Bien que la date de mise en vente de ces tenues n'ait pas encore été annoncée, Pamela Anderson a assuré que cela se ferait de manière réfléchie et sentimentale via son site internet. Pamela Anderson, icône de la mode des années 90. Pamela Anderson, véritable icône de la mode des années 90, a récemment évoqué avec le magazine Elle certaines de ses tenues les plus emblématiques. Celle qui avait participé à la saison 9 de Danse avec les Stars avait décrit son style de cette décennie comme sauvage et décomplexé, tout en reconnaissant qu'il pouvait s'agir d'un mécanisme de défense à l'époque. Cette décision de se séparer de ses vêtements marque un nouveau chapitre dans la vie de Pamela Anderson, qui cherche sans doute également à partager ses souvenirs vestimentaires avec d'autres passionnés de mode.